tes paroles, très touché de cette cérémonie, et à laquelle je ne m'attendais pas. Je pensais qu'on venait juste déjeuner comme ça entre amis, comme nous le faisons souvent, comme nous l'avons fait si souvent pendant ces années avec toi, avec Nora, et ça a toujours été un plaisir de vous retrouver, d'échanger, d'avoir ces discussions un petit peu à bâton rompu, et de nous retrouver sur des choses aussi que nous avons en commun, c'est-à-dire tout un passé dans cette région, à travers nos parents, à travers nos amis, à travers nos lectures, à travers Eric Rouleau et d'autres. Et donc ce lien entre différentes, facettes, différentes phases de l'histoire de cette région. Je t'ai apporté, mais je te la remettrai plus tard, donc une copie d'un article que j'avais écrit en 1992 pour expliquer pourquoi nous avions fait le choix de soutenir Taef. Et à cette époque-là, ce n'était pas très populaire en France, mais pour les raisons que tu viens de dire, et parce que nous sortions d'une phase de 15 années de guerre civile, suivie par les guerres entre les chrétiens, nous étions attachés à ce que la morale ne soit pas de défendre l'un contre l'autre, mais de parvenir à un règlement et de retrouver un équilibre. Donc je crois que tu as utilisé le bon mot, celui auquel nous sommes attachés, même si le mot d'équilibre suppose sur des compromis et qu'on n'arrive jamais finalement à défendre le principe qu'on voudrait ou les principes qu'on voudrait. Mais il y a un principe qui nous paraît le plus important pour nous, c'est celui de l'unité des Libanais, parce que c'est celui qui protège le mieux tous les groupes que tu as mentionnés, les chrétiens, la communauté de Druze, les communautés, les yazidis en Irak, partout il faudrait qu'il y ait plus d'unité. Au Liban, en tous les cas, il y a les ingrédients, il y a les éléments dans des frontières qui sont celles que nous connaissons et qui permettent de préserver la nécessité de cet accord. Nous y sommes très attachés et nous continuerons à nous efforcer. Emmanuel Bonne prendra ma suite bientôt. Je serai à Paris et comme tu l'as dit, nous serons toujours heureux de nous revoir à Paris. Je tiens beaucoup à ce que nous poursuivions les fils de cette amitié. Je voudrais aussi dire un mot pour toute l'action qui a été menée à Deir el-Kamar sur le plan culturel et dans le Chouf, c'est très important. Je me souviens quand j'étais toujours au cabinet de Roland Dumas, c'est là qu'après la guerre civile, nous avons décidé de relancer certaines opérations. Et donc nous n'avions pas les moyens de l'État pour le faire à l'époque, mais le premier centre culturel qui s'est rebâti sur des aides d'ONG, d'associations qui sont venues. Et il y a le fameux bibliobus. Bibliobus, c'est un message en soi, cette façon d'apporter la culture, ce qui est un des premiers moyens de l'entendre, de la compréhension des autres dans toute la montagne. Et grâce à toi, nous avons pu relancer, donc poursuivre, puisque notre bus arrive un petit peu en fin de vie. Et puis grâce à ton geste, donc le bus poursuit son voyage. Anne-Dominique n'est pas avec nous ce soir, je crois qu'elle a fait un excellent travail et je voudrais la remercier aussi à cette occasion. Nous étions tous allés, donc tu étais alors à Paris avec le président de la République, et avec Nora, nous avons inauguré le nouvel autobus avec Madame Girardin. Donc merci pour tout ça, et merci pour l'amitié, merci pour tous ces témoignages, et nous téléphone pour sonner, et okay. Si c'est vous qui téléphonez, la porte sera ouverte.